suis Estelle Kité, je suis la fondatrice, présidente et directrice générale du groupe Zaban, qui est une holding spécialisée dans l'agroalimentaire équitable. Donc notre activité mère même qui a débuté, c'est vraiment la valorisation et la transformation des produits locaux du Mali. On est positionné sur toute la chaîne de valeur agricole. On intervient depuis la région de Mopti jusqu'à la région de Kaï en structurant les filières agricoles, en mettant en place des coopératives, en équipant les coopératives. Et les matières premières, l'entreprise utilise pour les valoriser. Donc on a une gamme de jus qui est très très connue. Par la suite, on a aussi développé en misant sur l'innovation avec une gamme de tisanes, une gamme de confitures. Et après, au sein de l'entreprise, on a une soixantaine de au sein de l'équipe, une trentaine d'emplois directs. Oui. En plus de ça, on a pas mal de femmes qui viennent nous appuyer durant la saison des fruits, qui viennent soit faire des opérations de tamisage et triage. Et c'est des femmes qu'on récupère conformes. Créativité, passion. Je dirais énergie, parce que la jeunesse est là, on le sent vraiment dans tout ce qu'on fait. Ancienne lauréate, d'ailleurs la première du Mali du programme Entrepreneur en Afrique, qui était porté par Campus France, un programme pensé par le ministère des Affaires étrangères français. J'ai bénéficié d'une expertise technique, une expertise managériale. J'ai fait travailler des pôles de compétitivité, des étudiants ingénieurs. Bref, ça m'a beaucoup poussé à mobiliser beaucoup d'acteurs autour de moi. L'idéal, c'est que pour ce type de coopération dans le futur, et que le Mali et la France puissent vraiment travailler ensemble, ministère, Campus France avec une structure légale ici au Mali pour mieux accompagner les entrepreneurs, et ça sera, le chemin sera beaucoup plus facile. Vraiment d'être passionné, d'être rigoureux, d'accepter tout ce qui tombe sur nous, parce que il faut comprendre que souvent on est dans des environnements qui peuvent ne pas être ouverts à ce qu'on fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter, il faut vraiment supporter l'échec et redoubler d'efforts.